C'est dans cette ruelle, en plein cœur du quartier des Loubiaches, que Nicolas Léonzi a été tué hier soir. Il est 22h30, l'homme de 64 ans rentre chez lui après avoir dîné seul dans un restaurant de Corté, quand il est pris pour cible. Touché par plusieurs projectiles aux jambes et à la tête, la victime décède rapidement malgré l'arrivée des secours. Hier soir, les techniciens en identification criminelle ont passé plusieurs heures sur la scène de crime pour tenter de réunir des indices. Pour l'heure, le mode opératoire reste inconnu, mais il pourrait s'agir d'un tireur seul et à pied qui aurait pris la fuite. Les investigations menées par la police judiciaire de Bastia vont aussi porter sur la personnalité de la victime. Pompier cortenais à la retraite, Nicolas Léonzi était connu défavorablement de la justice. Une information confirmée ce matin par le parquet de Bastia, qui n'a pas souhaité donner plus de précisions. Ce samedi, l'enquête ne fait que débuter et le quartier des Loubiaches a retrouvé une activité ordinaire.